Voilà, le gang, c'est important. Donc c'est l'architecture baroque japonaise. Vous avez vu, c'est très, très chargé, on pourrait dire. Déjà l'équipe des maquilleuses, d'habilleuses, parce que tout seul s'habiller en kimono, ce n'est pas évident. On veut toujours ce qu'on n'a pas, donc elles ont des magnifiques cheveux bien raides, et bien elles mettent quand même des bigoudis pour faire des boucles. Maquillage très discret. Je vais essayer d'avancer. Alors, à 11h de la matinée, vous avez vu, on a commencé très tôt avec le rituel bouddhiste. À 5h, à 11h, elles sont presque prêtes. Et les invités, et tout le défilé va se passer donc dans un temple. Assise à la japonaise, à même le sol, sur le tatami. Invité arrive avec l'invitation qu'on reçoit à peu près. Et donc dans un temple, on est pieds nus, sans chaussures. Enfin. Vous voyez la longueur des manches, presque jusqu'au sol, si elle déplie les mains. Donc il y a beaucoup de jeunes filles célibataires. Servir d'autres actes où il y aura musique traditionnelle de théâtre Noh. Deuxième partie, plus dédiée pour les femmes mariées, un nœud beaucoup plus strict et les manches qui sont raccourcies. Okay.